jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtus, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part d'un glitch fun. Et je dis bien d'un glitch fun, dans tous les cas vous l'avez vu dans le titre. Un glitch qui vous permettra de marcher dans les airs. Donc c'est vraiment très très fun, il y a quelques inconvénients avec ce glitch. Je vous les donnerai juste après, mais sinon il est vraiment très très fun. Donc pour réaliser ce glitch, vous allez devoir vous rendre au même endroit que moi sur la carte. Donc vous allez vous rendre tout simplement au port. Vous devez savoir où se situe le port, donc vous allez vous rendre au port. Et une fois au port, vous allez réaliser la manipulation suivante. Donc en attendant, je vais vous inviter à me rejoindre sur Facebook et Twitter et à rejoindre la chaîne 100% course, dont tous les liens se trouveront dans la description. Si jamais vous cherchez des personnes pour réaliser les glitches que je fais en vidéo, n'hésitez vraiment pas à rejoindre mon groupe Facebook, poster un statut et peut-être qu'une personne vous répondra. Donc pour réaliser ce glitch, vous allez tout simplement prendre une arme, donc comme je viens de le prendre, le mini Uzi, et vous coller tout simplement à la paroi. Une fois collé à la paroi, vous allez tout simplement avancer vers la gauche et vous allez pouvoir voir qu'à un moment vous allez descendre et vous n'allez plus pouvoir bouger. À ce moment là vous allez tout simplement faire viser, vous allez tout simplement viser, ce qui va vous décoller du mur. Et quand vous allez être décollé du mur, si le glitch a bien marché, vous allez tout simplement sortir un couteau. Et une fois que vous avez sorti le couteau, vous n'avez plus qu'à revenir vers le bord. Et comme vous le voyez actuellement sur l'écran, je suis en train de marcher dans les airs, je suis en train de marcher dans le vide. Donc c'est vraiment un glitch fun et très très simple à réaliser, je vous le conseille. Les inconvénients avec ce glitch, c'est que vous ne pouvez pas utiliser de voiture et vous ne pouvez pas sauter. Si vous sautez, le glitch s'annule et vous ne pourrez plus marcher dans les airs. Donc vous pouvez très bien remarcher sur la route, repartir à un endroit plus haut et remarcher dans les airs comme je vais le faire sur la vidéo. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour ce glitch. Il est vraiment fun et très très simple. Je vous le conseille de le faire. Il est vraiment très simple, donc je vais rappeler quand même la manipulation. Vous allez tout simplement sortir une arme, vous coller au mur, avancer vers la gauche. Et à un moment vous allez voir que vous allez pouvoir tomber un peu dans le vide. Et vous allez tout simplement être bloqué, vous ne pourrez plus avancer. À ce moment là vous allez tout simplement appuyer sur la touche de viser, ça va vous décoller du mur. Si tout se passe bien, vous allez sortir un couteau. Et si vous avez sorti un couteau, vous n'avez plus qu'à vous repartir vers le bord et à faire comme moi sur la vidéo. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez vraiment un maximum de likes et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne et pourquoi pas à partager cette vidéo de ce glitch très très fun sur Facebook et Twitter et pourquoi pas aussi me rejoindre. Moi, je pense avoir tout dit. Je vous retrouve dans de prochaines vidéos sur GTA ou d'autres jeux. Allez, ciao bébé tout le monde. Let me feed your addiction.